Salut à tous, ici Music Box, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Tomb Raider, le reboot de 2013. Comme vous vous en souvenez peut-être, dans l'épisode précédent, nous avions terminé en tuant un cerf en fait, pour pouvoir récupérer la nourriture. Et maintenant nous devons nous échapper de la forêt. Le souci c'est qu'on ne sait pas trop comment. Apparemment il y aurait de la musique dans le coin. Y a quelqu'un ? J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde, et si tu veux tout savoir, Lara, le cadavre qui est ici ne nous fait pas trop confiance. Je vais passer par là. Ah, j'aurais pu parier à 1 contre 10. Toujours à moi que ça arrive ce genre de conneries. Bon. Alors, du coup, on peut descendre en utilisant l'échelle. J'aurais pu descendre sans utiliser l'échelle, mais bon, à mes risques et périls. Hein. Attendez. Ah. Ah non, d'accord, c'est un autre bouton qu'il va falloir utiliser pour descendre l'échelle, voilà. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Ah là là, mon dieu, on est encore dans une... dans une grotte bizarre. C'est pas les grottes de Lascaux, c'est les grottes de la secte, je dirais plutôt. Le jeu a quand même un côté Uncharted, je dirais, beaucoup plus qu'avant. Eh oui, Lara, je me demande aussi ce que t'es en train de faire. Parce que bon... Je me demande là ce qu'ils ont compté, est-ce que c'est le nombre de jours qu'ils ont passé ici ou est-ce que c'est le nombre de personnes qu'ils ont tuées? Oh non, c'est de la folie. Ah, ils ont une petite peau de daim pour pouvoir se reposer tranquillement. Il est marqué No One Leaves, personne ne sort. J'espère que c'est pas le cas, parce que j'ai envie d'en sortir moi d'ici. On peut ouvrir la petite boîte, il y a sans doute un petit secret dedans. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. D'accord, il y a marqué examiner pour trouver des informations cachées. On peut trouver des informations cachées. Oups. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Ok, voilà. C'est tout ce qu'on peut voir de spécial sur le masque, etc. Ça nous a donné un petit peu d'XP d'ailleurs. Et je vois ici qu'on a plusieurs reliques à trouver en fonction du niveau. Donc on essaiera un petit peu de fouiller les endroits pour y trouver les reliques évidemment. Alors voyons voir, j'aimerais juste voir qu'est-ce qu'il y a à côté. Un petit peu d'XP, ici on peut pas ouvrir. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. D'accord, il nous faut un objet spécial. Bon, je pense qu'on n'a pas le choix. Elle sort d'où cette musique asiatique là, ça me pose des questions un petit peu. Alors ici on peut sortir du bunker, ok. Tac, faut utiliser le piolet. Le truc, je sais pas comment j'arrive à ouvrir des portes scellées avec, parce qu'il est juste tenu par une petite corde de merde. Et on devrait pouvoir passer ici maintenant. Vous me pardonnerez d'avance si je peux pas mettre les voix un petit peu plus fortes que le reste du jeu. Simplement parce que dans ce jeu, la musique est séparée, mais par contre, les voix et les effets ne sont pas séparés les uns des autres. Donc malheureusement, de ce point de vue-là, je préfère laisser le jeu, disons, le son du jeu de manière habituelle. Même s'il peut paraître fort de temps en temps. Tout simplement parce que du coup, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus dans l'ambiance. Il va y avoir des passages où... Vous allez avoir un son très très fort comme dans l'épisode 1 lors des éboulements et tout, mais au moins on est bien dans le fond dans l'action et tout. Donc j'espère que ça vous pose pas de problème. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à m'en faire part, hein. Je pourrais toujours changer ça, y a pas de souci.
Alors. Ah bah tiens, on est ressorti d'ici. On peut éteindre la torche. Sam ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui est ici ? Tu as entendu ? Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. Qui est-ce ? Et des ombres. Ah, je peux pas. Ça se déplace tout seul, d'accord. Bon, très bien. Lara, tu es. Ah, une tête connue. C'est Sam. Sam. Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Et vous qui paraît un peu louche à première vue, je ce mec. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Himiko. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la reine Himiko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Himiko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons, depuis les montagnes jusqu'aux mers et au-delà. Oula, Lara s'endort. Faut avouer que Sam a quand même bien la classe aussi. Hein. Mathias ? Sam ? Non, vous êtes sérieux, ils ont disparu ? Sam ! Oh mon dieu ! Je suis sûr que c'est encore ce vieux mec là. Ah ! Encore un ermite pervers et violeur. Sam ! Ah merde, je me suis pris un piège à loup. Ah bah tiens, en parlant du loup. Désolé pour le petit jeu de mots. Ah merde. Vous dites pas que je vais me faire attaquer. Ils sont où ? Montrez-vous, bande d'enfoirés. Je vous attends, j'ai pas peur de vous. Ah, il était là, je l'ai vu. Il est où, il est où ? Je l'avais vu. Tiens, prends ça. Oh mon dieu. Il y a d'autres ? Le buisson bouge. Il est où ? Montre-toi! Tiens, dans ta bouche! Encore, c'est pas fini? Il est où le dernier là? Enfin, j'espère que c'est le dernier en tout cas. Sors de là, enfoiré! Ah! Attention. Ça c'est la grosse classe, elle désamorce des pièges avec des balles de feu. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous ? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, 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 hé, hey, pour Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias.
Attendez, ils m'ont laissé avec le plus gros boulet du groupe. Alors que j'ai une jambe à moitié pétée. Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. J'ai pas confiance en ce mec. Il sait même pas tenir un flingue. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Alors c'est vrai que j'avais pas pensé à le préciser dans le premier épisode, mais ce Tomb Raider est en fait un reboot de la série. Donc en fait on commence ici aux prémices, on va dire, de la vie d'aventurier de Lara Croft. Alors je peux m'allumer une petite torche. Cool. Voyons voir ce qu'il y a par là. On dirait qu'il y a un livre. Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte des souvenirs. Il y a plusieurs milliers d'années, la reine Himiko régnait sur le Yamatai. Il l'appelait la reine solaire. Elle était belle, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. Elle régnait sur un royaume s'étendant des montagnes à la mer. Mais un jour, le Yamatai a disparu sans laisser de traces. Et il est tombé dans l'oubli. Ah, il y a un truc que j'aime bien avec ce jeu. C'est que les histoires qu'on trouve ici, elles sont tout simplement racontées directement. Elles sont doublées et on n'a pas besoin de les lire. Et ça, c'est sympa. Alors. Je peux aller au feu de camp, mais ça va pas me servir à grand chose, je pense. J'ai pas de compétences supplémentaires pour l'instant. Bon, je m'appelle Lara Croft. Je suis archéologue. Je fais partie de l'équipage de l'Endurance qui a fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon, à l'est du Japon. Cet endroit est incroyable. J'ai vu des épaves vieilles de plusieurs siècles. Nous n'étions pas les premiers, et je sais maintenant que nous ne sommes pas seuls. Il se passe des choses étranges sur cette île. Si je devais ne jamais partir d'ici, peut-être que quelqu'un finirait par trouver ceci. Ah, sympa, elle écrit ses histoires au fur et à mesure. Pas mal, ça. Donc on aura l'occasion d'avoir un petit peu les pensées de Lara sur l'aventure. Je vais me reprendre une torche, puisque j'ai l'impression qu'on peut brûler ce truc. Mais t'es pas trompé. D'accord, on utilise le piolet pour récupérer des matériaux. J'ai déjà le plein de flèches, donc ça va pas beaucoup me servir. Bon, je vais peut-être ouvrir ça. Ah, il vous faut un piolet de plus grande qualité. Il faut améliorer le piolet pour pouvoir ouvrir ce truc. Il faudra donc des matériaux que je n'ai pas. Ça ne me dit rien qui vaille. J'aime pas trop ça. Je vais d'abord aller un petit peu visiter. On a quelques matériaux par ici. On peut ramper. Oula. Waouh, je me fais attaquer par des loups, bordel. Aïe aïe aïe. Tiens, prends ça, enfoiré. Ah. T'es où? Monte-toi, saloperie. Ah fuck. Ah, tiens, bouffe. Voilà. C'est ça qui est bon. Me prévenir pour les loups, docteur. Ah, on a récupéré un petit peu d'XP et tout ça. C'est cool. Voyons voir. Est-ce qu'on a des petits objets cachés dans le coin? Ce qui serait fort sympathique. Bon, j'ose espérer. Ah, attendez. Ah oui, je viens de voir un truc. Des chiffres. Une autre géocache. Quelqu'un qui voulait qu'on les trouve. Une géocache qui apparemment permettrait. Qui cacherait des coordonnées de.
pleine crise de confiance. Alors j'essaie de faire bonne figure. Mais cette expédition ne me dit rien qui vaille. J'en ai mal au ventre. À mesure que nous approchons du triangle du dragon, je sens que la nausée me gagne. Et ce n'est pas un excès d'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'arrive? Je devrais être contente. Ce voyage va être génial. Il faut que je me débarrasse de ces états d'âme. Je peux peut-être convaincre Lara de faire une pause et de boire un verre avec moi. J'aimerais bien boire un verre, mais si tu veux, ma petite Sam, le contexte ne s'y prête pas vraiment. Est-ce que je peux... Attendez, là il y a encore un truc. C'est quoi ça? Une boîte à secrets. Les acteurs de l'eau penchaient la tête vers le haut ou vers le bas, afin que le masque exprime différentes émotions. D'accord. Encore un truc caché derrière, non? Même pas. On peut pas... Ah, dans celui-là, apparemment, il n'y a pas de truc supplémentaire à trouver. On peut pas faire d'inspection. Attendez, je vais regarder un truc. Un truc qui m'intrigue. Pardon. Ah, on a une carte générale de l'île complète. C'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir revenir aux divers endroits où on a déjà été. Ok, sympa. Bon, voyons voir. La colline, on va l'éviter pour l'instant, parce que j'ai vu que... Alors attendez, est-ce qu'on peut tuer les lapins de loin comme ça? J'aimerais bien voir si on peut faire ça. Viens me voir, petit lapinou. On verra ça plus tard. Ah, encore une petite boîte. Alors j'ai vu qu'il y avait un tombeau caché par là-bas. Ça doit être un petit truc facultatif. Alors je sais pas si c'est dû au fait de la précommande ou si c'est simplement dans l'histoire qu'il y a des tombeaux cachés un petit peu partout. On sort notre torche. Ah, il y a marqué tombeau téléchargé, tombeau de l'aventurier. Peut-être que ça va avoir avec le DLC ou pas, enfin le DLC entre guillemets de la précommande. Hein. Alors j'ai déjà le plein de flèches. Et malheureusement je vais perdre ma torche en arrivant ici. Tirer sur les lanternes en verre pour provoquer un incendie. Ah d'accord. Hop. Et comme ça on va pouvoir brûler les caisses et traverser. Voilà encore un nouveau élément de gameplay qui a été apporté. Ouh, ce magnifique tombeau. Avec une grosse carcasse d'avion en plein milieu. On va récupérer les flèches. Voyons voir. Ah, on peut brûler ça apparemment. Le feu prend très vite quand même dans ce jeu. C'est du bois sacrément sec. On dirait de la petite brindille. Ça peut servir de rampe. Effectivement. Voyons voir s'il n'y a pas un petit truc à côté. D'abord faire un petit tour des lieux, hein, avant toute chose. Peut-être des choses à voir dans le marais en bas. Sait-on jamais. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Est-ce que là, il y a quelque chose? Non. Ah, je vous rappelle, le jeu étant difficile, hein. C'est marqué dans le titre, mais que vous le sachiez au cas où, lors de mes combats, ce sera un petit peu plus dur que la normale. J'ai décidé de me mettre un peu de challenge, comme d'habitude. Ceux qui me connaissent commencent à savoir que j'aime bien jouer les jeux en difficile lorsque j'en ai la possibilité. Bon, allez, on va grimper. On peut se diriger là. Est-ce qu'on peut monter ici? Non, on peut pas monter. Écoutez, on va aller juste en face, du coup.
on a des torches. Attendez. On peut les utiliser, les balancer apparemment. Ah ouais, ok. Hop, et on peut enflammer les choses à distance du coup. Intéressant ça. Il doit y avoir un moyen de la remonter. La carcasse tombe. Attendez, j'ai bien envie de tester un truc parce que ici je vois qu'il y a. Il y a une caisse qui peut prendre feu, j'ai l'impression. On va voir si. Bon, j'ai mis le feu au cadavre, mais non, la caisse n'a pas flambé. Alors. Je peux traverser ici. Hop, je vais utiliser le double saut. Voyons voir. On a une grotte par là. Ouh, j'aime pas trop ça. On va s'enfoncer un petit peu plus profondément, voir s'il y a quelque chose de spécial. Équipement manquant, nouvel équipement requis pour ouvrir. D'accord, très bien. Il faut un équipement pour ouvrir ça. Et je ne vois pas du tout de quoi ils veulent parler. Je vois pas s'ils pourraient trop m'aider dans le coin, mais. Attendez, je peux monter là-dessus. Mais. Ça risque pas vraiment de m'aider. Voyons voir. Ici il y a des flèches. Alors là je me demande si on peut grimper là-dessus. Attendez. Oh oui d'accord, il y a une torche ici. Et la lumière fut. Merde, elle est bloquée. C'est là qu'on doit pouvoir monter là-dessus, je pense. Ouais, c'est exactement ça. On va foutre le feu à tout le bazar qui est là-bas. Un plus, ça devrait aller. Très bien. Hop. Et je pense déjà avoir remarqué le dernier truc qu'il va falloir cramer. Si je ne m'abuse, il y a un truc là-bas qui m'a l'air assez suspect. Regardez-moi ça. Vous parierez tout ce que vous voulez que c'est la suite de cette énigme. Cadavre en feu, la torche de. La planche se met à tomber. Et on va lui donner un petit coup de pouce. Voilà. Ah, du coup, on devrait pouvoir grimper sur la carcasse sans problème. Oui. Pouvoir se servir de ça. Attendez. Ce tissu doit être inflammable. Ah, ça m'a bloqué. Il va falloir sans doute que je remonte là-bas. Essayer d'utiliser les lanternes qui sont là. Voyons voir. Pas l'envoyer à droite, mais là j'ai l'impression qu'il y a une petite ouverture. Donc on va l'envoyer dans l'ouverture. Hein. Ça devrait faire l'affaire. Ça a marché. Yes, parfait. On va pouvoir grimper du coup. Allez, hop. L'animation est bien foutue. Il n'y a pas à chier. Allez, double saut. On arrive en haut de ce petit palais chinois. Bizarre. Ouh, le gros trésor. J'aime ça. Ah, on a récupéré de l'XP et pas mal de petits éléments. Oups. Oh, ouh, j'ai failli me tuer, moi, mais un truc de...
Ok. Attendez, j'aimerais bien voir si j'ai pas oublié un truc là-bas. Peut-être des trucs cachés. Peut-être encore faire un petit tour. On va vérifier ça 2 secondes. Je suis un peu sceptique. Oups. Il y a ce morceau là-bas, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être monter, mais je suis pas certain. Grimper là? Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a d'autres trucs cachés sur les côtés ici. Ah mon nom. Ah tiens, il y a une tyrolienne ici, j'avais pas fait gaffe. Allez! Youhou! Et voilà! On repart en vainqueur avec des objets collectés en plus. Ce qui fait un petit peu plaisir quand même. Je vais récupérer les dernières flèches qui me manquaient. Et on va ressortir de ce superbe tombeau. Ah, et voilà. Ah, la lumière du jour, ça fait plaisir. Bah écoutez, mes chers petits amis, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je me suis bien fait plaisir. N'oubliez pas de laisser un petit pouce vert et un commentaire si vous en avez envie, évidemment. Et puis, pour les petits nouveaux, bah, abonnez-vous à la chaîne, hein, j'ai que ça à vous dire, hein, pour suivre mon actualité et voir aussi d'autres playthroughs, etc. que je fais, si ça vous intéresse. En tout cas, on se dit à très très bientôt pour la suite de Tomb Raider, car à mon avis, des épisodes, il va y en avoir un petit paquet qui vont arriver très 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 prochainement. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.